now. Bonjour, bon matin à tous. Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ouais. Ah, ils sont déjà là. Gloire destinée, comment va? Ouais. Mon monde est déjà là. Profitez déjà pour partager. Merci. Merci à tous. Nicole Candolo, comment va? Marie-Pascale Deleuze. Oui, bonjour, je vais bien, merci. Merci à tous. Ouais, on parle immigration Canada ce matin. Merci. Ouais, je vais super bien, ça paraît que je vais bien, hein? Aïe. Aïe. Tatiana Seri, comment va? Bon matin à tous. Ouais. Gloire destinée. Seri JJ, comment va? Elle est au complet là. J'en vendais les complets Canada. J'en ai vendu. J'ai vendu aussi à Abidjan. C'était difficile pour moi d'en apporter en Europe. Mais sinon, je vends ça. Abidjan, en Afrique, je vends. Oui, je suis en pleine forme. J'ai perdu un peu de poids quand même, j'avoue. Mais ça va. Ouais. Profitez pour partager mes personnes parce que c'est Information et Immigration Canada. Ouais. On va se donner 3 petites minutes, le temps que vous partagez. Et puis, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais passer pour vous dire bonjour d'abord. Aïe, tout de suite là, faut vite parler. Qui dit de parler vite là? Hein? Mais quand vous partez ailleurs là-bas, vous faites dormir, non? Laissez-moi aussi vous faire dormir un peu le temps que vous partagez. Hein? C'est ça. Je vous donne au moins 3 petites minutes, le temps que vous partagez. Déjà, on m'a dit, il faut parler. J'espère que tu as... Ah oui, il faut que j'épingle, toujours, il faut épingler. Info immigration et vivre africain. Info immigration. Immigration. Et vive africain. Ça va finir par... Ouais. Le temps que vous partagez. Merci. Bon, oh my god, déjà des étoiles. Non, vous êtes, pour parler comme au Québec, vous êtes donc bien fin. Vous êtes très fin. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Bon, pour tous ceux qui habitent Montréal, quand je dis Montréal, je parle de Saint-Laurent. Ouais, Saint-Laurent, je ne vais pas livrer trop loin là-bas. Déjà, ça a commencé depuis hier, on a déjà commencé à m'appeler. Montréal, Blainville, Laval, Saint-Jérôme, Mirabel. Ces 5 villes que j'ai citées là, je suis capable d'aller vous livrer. Mais Montréal, dans les environs de Saint-Laurent, métro Côte-Vertu, vous avez besoin de l'attiqué, le placali, le poisson, djunglé, tout et tout. J'en ai en ce moment. Mais à la fin du mois, c'est là que je vais avoir des escargots, les dokou. Non, en tout cas, le marché africain, j'en ai de tout. Merci beaucoup. Bonjour mes impactés. J'espère que vous allez bien. C'est votre impacteuse. Maman en Canada, premier pays au monde.
Aujourd'hui, je viens vous parler immigration Canada. Oui, je viens vous parler de cette immigration sélective. Oh que oui, 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 oui. Ce mot qui fatigue tant, la sélection. Quand on parle de venir immigrer au Canada, c'est sélectif. Dans la vie, quand c'est sélectif, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est sélectif là, ça veut dire qu'au début, c'est dur. Mais vers la fin là, ça donne quelque chose de bon. Parce que quand c'est pas sélectif là, on met tout le monde dedans. C'est-à-dire, n'importe quoi se retrouve dedans. Et puis, vers la fin, on est étouffé par le système. Dieu merci au Canada. Les immigrants sont pas encore étouffés par le système. Hein? Le Canada, c'est le pays où les immigrants ont leur place. Mais pour venir, comme je vous ai dit, c'est sélectif. Ça part avec des critères. Mais, quand on parle du Canada, les gens voient toujours les diplômes. Non, ce n'est pas forcément ça. Il y a des programmes, j'en ai parlé par le passé. Il y a des programmes comme le PEPICA. C'est un programme qui se passe du côté du Nouveau-Brunswick avec quelques autres provinces. Eux qui prenaient les hommes de métier. Mais même là encore, il y a quelques complications parce que c'est toujours le gouvernement qui a le pied dedans. Donc ce matin, moi je viens vous parler de 11 contrats de travail que des employeurs ont. C'est pas un secret, hein? Ce n'est un secret pour personne. Le Canada, c'est le pays où aujourd'hui on recherche la main-d'œuvre. La preuve, moi-même qui vous parle là, je cherche une main-d'œuvre, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi, mais je n'en trouve pas. C'est ça. Depuis qu'il y a eu le COVID là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que des employeurs font? Ils s'en vont afficher. Oui, parce que ces offres d'emploi dont je vous parle, ce sont des offres d'emploi qui ont déjà été affichées. Parce que la loi du travail dit quoi au Canada? C'est pour ça que je dis, affaire de l'immigration Canada, vous n'avez pas les arguments pour parler avec moi. Parce que je fais de la lecture pour venir vous donner les informations. C'est pas s'arrêter, hein, c'est deux pieds longs, sur des chaises et puis parler, oui, oui, oui. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut aller faire de la lecture. Il faut aller comprendre le processus d'immigration Canada pour venir discuter avec moi. Donc, comme je vous disais, les contrats de travail dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des. La loi du travail au Canada dit quoi? Pour que tu puisses afficher un poste à l'étranger, il faut que ce poste-là ait déjà été affiché, je crois, 2 à 3 semaines avant, ici d'abord au Canada. Il faut que cette offre d'emploi-là soit déjà passée par chose, comment on appelle ça, l'EIMT, c'est-à-dire l'étude de l'impact sur le marché du travail. Il faut que ce soit déjà passé là-bas. Ça veut dire quoi? Tu as cherché dans ton environnement, dans ton périmètre où tu es. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Donc, la loi Immigration Canada du travail te permet d'aller à l'étranger pour pouvoir chercher cette main-d'œuvre qui manque tant au Québec. Quand je suis en train de vous parler de ces contrats de travail, je suis en train de vous parler du Québec. Oui, parce que j'ai vu des gens qui me sont venus, l'impacteur, j'ai déjà fait mon West. Non, ici, il ne s'agit pas du West. Le West, là, c'est le World Education Services. C'est le domaine qui s'occupe de, comment on appelle ça, de l'évaluation. Est-ce que c'est l'évaluation? Ça dit de la traduction des diplômes, parce que c'est anglophone, le West. Donc, quand tu as fait tes diplômes ailleurs, en français, tu envoies ça à West, à Toronto. Ici, il ne s'agit pas de ça. Je suis en train de vous parler des offres d'emploi du Québec. C'est pour ça que quand je vais vous parler, vous allez voir qu'il y a Arima qui va sortir dedans. Quand je vous parle de Arima, je vous parle du portail légal d'immigration Québec dans la zone francophone. J'ai déjà remonté la vidéo sur les frais gouvernementaux, sur cette page où je suis en train de faire le direct. Mes amis, partagez le direct parce que c'est des informations très importantes. On est dans du sérieux ici, on n'est pas dans du niam sérieux. Partagez le direct parce qu'après les gens reviennent, ils me posent des questions. C'est pas grave, mais partagez le direct. Là, quand les gens voient la vidéo, ils savent de quoi il s'agit. Donc, quand je suis en train de vous parler ce matin de Arima, dès lors que je parle de Arima, ne me parlez pas de la zone anglophone parce que Arima, ça c'est le portail d'immigration légale du Québec qui est la seule province francophone du Canada. Donc, c'est Arima qui demande ça. Dans ce même bassin de Arima, je vous ai dit, il y a deux options. Il y a l'option où tu n'as pas de contrat. Quand tu t'en vas manifester ton intention, tu manifestes l'intérêt, comme on appelle dans Arima. Si tu n'as pas de contrat, tu peux faire 1 an, 2 ans. 3 ans, voire 4 ans dans Arima. Chaque année, ils peuvent rejeter ton dossier. Et chaque année encore, tu t'en vas encore plus manifester l'intérêt. Parce que tu n'as pas de contrat. Je connais quelqu'un qui est rentré dans Arima. Il avait 34 ans. Jusqu'aujourd'hui, il a 39 ans. Je ne vous raconte pas des farces là. C'est de la vérité que je suis en train de vous dire.
Tout simplement parce que cette personne-là n'a pas de contrat de travail. Quand tu as, ça, c'est la première option dans Arima. Maintenant, quand tu as le contrat de travail, ben bien évidemment, si tu as un contrat de travail, si tu as une offre d'emploi, ça veut dire qu'il y a des employeurs qui sont dans le besoin, donc qui te réclament. Tu vas venir supplanter tous ceux qui sont dans ce bassin d'Arima. Et puis, tu reviens à la surface. Avant, quand il n'y avait pas le COVID, pour quelqu'un qui a une offre d'emploi dans Arima, Arima dont vous entendez parler, où des gens durent, des gens font un an, deux ans, si tu n'as, quand il n'y avait pas le COVID là, c'est maximum un an, maximum 9 mois, tu rentres au Canada. Mais aujourd'hui, avec les aléas du COVID, avec tout ce qui engendre cette pandémie là, c'est monté à 18 mois. Donc, les contrats dont je suis en train de vous parler ce matin, quand vous vous engagez dedans, c'est 18 mois, vous et votre famille, et vous rentrez au Canada. J'en avais parlé précédemment dans l'une de mes vidéos. C'est une question de résidence permanente. Oui, parce qu'on me pose la question, c'est vrai, c'est très important. Avec le montant que ça coûte, bien évidemment, c'est la résidence permanente. Ça veut dire que quand tu rentres au Canada ici, tu rentres avec tes papiers en même temps, automatiquement. Mais tu ne viens pas comme un travailleur qualifié. Pas parce que tu n'as pas tes diplômes, parce que en venant, tu es venu dans un contrat de travail d'emploi général. Quand on dit emploi général là, ça veut dire que quoi? Oui, hein, tu étais banquier, tu étais ingénieur, tu étais professeur, whatever, tu étais tout ce que tu veux là-bas. Mais quand tu arrives ici, tu vas venir travailler comme emploi général, soit dans les shops, tu peux travailler dans un supermarché, tu peux travailler dans les call centers, tu peux faire ça, ou bien tu peux travailler, dans les entrepôts. Bref, tu vas faire un peu de tout. La loi du travail au Canada, oui, c'est ça, la loi du Canada au travail, dans le cadre du travail, le contrat ne doit pas excéder un an. Donc, ça veut dire que vous êtes lié à cet employeur-là pendant un an. Après les un an, si tu es infirmière, ben, tu peux aller faire ta formation de 10 mois, tu deviens infirmière. Ou encore, pendant que tu arrives là, tu peux te retrouver à travailler dans un centre d'hébergement. Donc, tu peux faire la petite formation de, je sais pas combien, 45 heures qu'on te demande. Et puis, tu fais préposer si tu es infirmière au pays. Après, tu finis les un an dans ce contrat-là. Tu t'en vas maintenant travailler ce que tu veux faire. Ou bien, si tu veux, tu retournes aux études comme bon nombre d'immigrants au Canada. Donc, c'est la même chose. Que tu sois venu avec contrat ou bien que tu ne sois pas venu sans contrat, ben vers la fin, à un moment donné, tu vas ajuster. Vous avez vu le documentaire de M. Alain Foucault que j'avais mis sur ma page. Les immigrants qui étaient en France, oui, c'est vrai, il y a d'autres qui avaient de gros diplômes, mais ça leur a fallu juste un peu, un petit ajustement. Aujourd'hui, ils sont insérés dans la société canadienne. Oh que oui, oui, oui. Cette belle société canadienne, où quand les immigrants arrivent, oui, c'est ça, comme je le dis toujours, au départ, ben, c'est tout à fait normal. Même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. C'est ça. Exemple, tu dis, non, je vais quitter le Canada, je vais aller vivre aux États. Mais quand tu vas aller aux États, ben, le Canada va te manquer un peu parce qu'il y a quelque chose au Canada que tu vas peut-être pas trouver aux États. Donc, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, quand on quitte nos pays, on arrive, il y a des choses qui nous manquent, mais vers la fin, on finit par retrouver nos repères. Hein? On finit par retrouver nos repères parce que ici, on respecte les droits de l'homme. On finit par retrouver nos repères parce que le Canada, c'est là où l'immigrant, quand il arrive au début, lui, c'est vrai, il vacille un peu. Mais ça lui prend un an, deux ans. Au bout de deux ans déjà, si tu sais où tu vas, si tu sais ce que tu veux, tu vas te retrouver. Le Canada, c'est le pays où les immigrants ne luttent pas les HLM ici. HLM là, c'est un tremplin. Nous, on passe dans les HLM. Et puis, on s'en va devant. C'est où vous êtes là-bas. On fait parler des HLM sur les réseaux sociaux. C'est où vous êtes là-bas. On lutte n'importe quoi. Nous, ici, notre vie est structurée. Quand on arrive là, ça nous prend deux ans, trois ans. Déjà, on commence à se renseigner. Comment on fait pour payer les maisons ici? On paye nos maisons, nos grosses maisons. On vit dedans à l'aise. Les dimanches, l'été, quand il y a des barbecues, on coupe nos gazons d'abord. On ouvre nos garages. On essaie de voir s'il y a des petits travaux à faire dans la maison. On essaie d'arranger. On vit comme des Occidentaux. On ne vit pas comme des paysans, c'est ça le Canada. Et puis après, quand on a fini, on prend nos voitures, on s'en va dans des barbecues. On est tellement structuré, je vous ai dit. On s'éduque au Canada. Quand on arrive déjà, monsieur et madame, déjà, on sait qui doit conduire. Si c'est moi qui dois conduire, c'est que moi, je ne prends pas l'alcool. Donc, ça veut dire que c'est toi qui vas prendre l'alcool. Voici des vies organisées. Voici ce que moi, je vous propose au Canada. Je vais partager le direct de mes personnes. Partagez, s'il vous plaît. Je vois que vous m'envoyez des cœurs ce matin. Vous êtes donc bien fin. Ouais. À
oui, je donne envie de bénir parce que c'est la réalité, je vous dis. C'est du vrai. C'est la réalité. Tout ce que je suis en train de dire, je n'invente rien. Les immigrants qui sont ici, ils savent. Ils connaissent que je m'en parle. Au début, ils me détestaient pour rien, mais vers la fin, ils ont compris. Tout ce qu'ils vous citent là, c'est la vraie vie. Hein? C'est ça qui est difficile à supporter, mais c'est du réel. Quand on a le barbecue, on fait les travaux à la maison. On ouvre le garage, on fait un peu de tout. On fait des bricoles. Quand il y a un peu de soleil, on fait des bricoles. Et puis après, on s'en va. On ne va pas, on ne se lève pas tout de suite pour aller chez les gens n'importe comment. Comment vous vivez en désordre là où vous êtes là-bas. Bref. Donc, dans ce programme, comme je vous ai dit, c'est un package. Oui, je vous ai expliqué que je suis en train de parler d'une offre d'emploi du Québec qui ne concerne pas la zone anglophone, c'est spécialement du Québec. Donc, dans cette offre d'emploi, monsieur, madame, deux enfants, c'est déjà parti dans ce package-là. Si tu as trois enfants, il y a un montant supplémentaire qui va s'ajouter parce qu'à l'origine, c'était un package conçu pour monsieur, madame et deux enfants. Même si tu es seul, c'est le même montant. Si tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, c'est le même montant. J'avais demandé comme ça, mais pourquoi c'est le même montant, étant donné que si c'est un package, dans le package, pourquoi la personne paye le même montant? On m'a répondu, mais quand les gens viennent étudier au Canada ici, là, pour étudier seulement là, ça leur fait 20 000 $. Pour étudier souvent pour des sessions, ils n'ont même pas quoi terminé. 20 000 $. Et après, ils vont aller chercher la résidence. Mais si toi, tu rentres à la résidence et que tu es seul pour le montant là, c'est ça. Mais j'ai analysé, j'ai vu que ça a du sens. Oh oui, ok, oui, oui, ça a du sens là. Donc c'est ça. Puisqu'on parle de résidence, je dis qu'il y a des gens qui s'en vont avec visa visiteur en France, aux États-Unis, en Suisse. Ils payent 3 millions. Donc ce n'est pas résidence permanente là qui est le problème. C'est celui qui en a un qui s'engage. C'est ça. Donc comme j'ai expliqué, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on est obligé de se marier? Non, pas forcément. On n'oblige pas. Je vous dis que ici, c'est la liberté dans tout ce qu'on te demande. Mais c'est sûr que à un moment donné, il y a la loi aussi, il y a la réalité qui va te rattraper. Je m'explique. Vous êtes des conjoints de fait. Oui, ce que vous appelez ailleurs célibataire, nous au Canada, on appelle ça conjoint de fait. Vous n'êtes pas marié, vous êtes dans le dossier. Et puis, vous avez des enfants ou vous n'avez pas d'enfants, peu importe. Ben, l'agent de l'immigration qui est en train de traiter ton dossier, il va voir que ben, ce couple-là, oui, c'est vrai, ils ne sont pas mariés, tout et tout. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils vivent ensemble? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des conjoints de fait? Parce que pour parler de conjoints de fait, ça veut dire qu'il faut vivre ensemble un an et plus. C'est à partir de là qu'on parle de conjoints de fait. Donc, cet agent de l'immigration, puisqu'ils sont autonomes dans leur façon de gérer les dossiers d'immigration, ils peuvent te demander un papier qui prouve que vous vivez ensemble. Mais très souvent, en Afrique, les femmes ne sont pas dans les baux. Quand je dis baux, je parle de bail. Dans le bail avec le mari, les femmes, le nom des femmes n'est pas inscrit sur le bail. Elles n'ont pas le compte conjoint avec le mari. Elles n'ont pas sur les factures de CISO de CIN, CISO de CIN, où on coupe courant sur vous là-bas. Yako, maman, Yako. Votre Yako là-bas. C'est ça. Elles sont pas inscrites. Donc, quand l'agent de l'immigration va te demander de donner les preuves que vous vivez ensemble, c'est maintenant que tu vas aller les faire. Mais si c'est un agent qui est méticuleux, qui regarde bien aux choses, il va dire, ah, c'est maintenant qu'il me donne la preuve que, comment on appelle ça, ils vivent ensemble, ça peut poser des problèmes. C'est pour cela que quand vous rentrez dans une firme d'immigration, quand vous travaillez avec des gens qui sont sérieux, des gens qui sont méticuleux, oui, comme je vous dis, nous, on a une obligation de moyens vis-à-vis de vous dans les dossiers d'immigration, mais on n'a pas d'obligation de résultat. C'est que je suis en train de te dire, oui, c'est mieux que vous vous mariez pour ne pas que ton dossier soit retardé. C'est une obligation de moyens que je suis en train de mettre. Maintenant, le résultat qui va venir là, c'est pas moi. Donc, c'est ça. Donc, pour éviter ça, nous, quand on traite les dossiers avec vous, on va vous expliquer. Donc, pour éviter même que ton dossier soit retardé, parce que quand il t'envoie le papier là, c'est fini, hein, ton dossier est mis à gauche. Le temps que le papier va venir, et puis on va récupérer le papier. Pour parfois, c'est ce qui explique que des procédures sont très longues. Donc, c'est un peu ça. Sinon, on n'est pas obligé de se marier. Tu peux tomber sur un agent aussi qui va regarder le dossier et puis il passe. Tu peux aussi tomber sur un autre qui va dire non, moi, je veux la preuve qu'ils vivent vraiment ensemble. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ce que j'expliquais. J'ai parlé des frais gouvernementaux. Cette vidéo sur les frais gouvernementaux, je l'ai mise en avant. Oui, sur cette page, je l'ai épinglée. Tous les ça dit que le montant que je vais vous donner dans les inbox, quand vous allez rentrer,
que je vais vous expliquer pour vous dire, voici le montant que tu payes. Ça, ce sont les honoraires de l'avocat. C'est ce que lui prend pour traiter ton dossier parce que lui te fait rentrer avec un contrat de travail. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'imparteuse. Est-ce qu'on paye le billet d'avion? Il n'y a pas billet d'avion dedans. Il n'y a pas logement. Il n'y a pas, je ne sais pas quoi d'autre dire. D'autres m'ont même demandé, et l'argent de poche? Mais dans la vraie vie là-haut, si je quitte Abidjan pour aller à Dalouao, même si elle m'aide pour régler un problème, mais je vais avoir l'argent de poche sur moi quand même. Hein? Un kamambou, un maman gros, je quitte ici pour aller au village. Ça me prend un peu d'argent de poche. Ça, ça dit, c'est logique. Donc, on n'a pas venu demander à l'impact. Donc, l'argent de poche est inclus dedans. L'argent de poche n'est pas inclus dedans. Oui. Le Québec, la province de Québec n'est pas très regardante sur ça. De 5 000 à 3 000 dollars, une famille peut rentrer ici au Québec avec la preuve de fonds. Quand je dis la preuve de fonds, c'est l'argent que tu dois posséder quand même sur toi. Yeah! Tu viens à l'étranger. Et si tu as cassé un petit œuf à l'aéroport là-bas, comment tu as fait pour payer ça? Donc, ça te prend un peu d'argent de poche quand même. Ça aussi, on est venu me demander. Donc, l'impacteuse, c'est inclus dedans. Eh, c'est pas inclus. C'est pas grave. C'est une question que vous posez. Je vous réponds. Partagez le direct, mes personnes. Partagez. Partagez. Je vous parle du Canada. Le pays où pour le lait et le miel. Le pays où les enfants sont bien. Le pays où si tu as bien éduqué ton enfant, sa route de l'université est déjà tracée. C'est tracé, c'est clair. Dans tout mon environnement ici, depuis que je suis arrivé au Canada, nous qui sommes venus il y a 12 ans là, il n'y a pas un de nos enfants qui a balbutié ici. Il n'y a pas un qui a balbutié. Eux tous là, ils sont sans. Ceux qui sont plus grands que les Wendy là, déjà ils sont allés en train d'aller au cégep. Oui, ils s'en vont au cégep là. Ils savent déjà où ils s'en vont. Après, le cégep, c'est l'université. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais, tout ça, c'est pas inclus. Le papa, j'ai dépassé mon temps. Ok, j'ai encore du temps. Donc, tout ça, c'est pas inclus. Quand je vous ai parlé des frais gouvernementaux. Les frais gouvernementaux, dans le Canada. Oui, je vous explique ça. Vous allez voir la vidéo. Là, vous allez mieux comprendre encore. La vidéo est en avant. Elle est sur toutes mes pages, mais je l'ai mise en avant déjà. Quand tu immigres au Canada, il y a la partie de chaque province. Donc, quand je parle des frais gouvernementaux, il y a des frais que tu vas payer pour le Québec. C'est ce qu'on appelle le CSQ. Quand tu entends CSQ, certificat de sélection du Québec, tu vas payer les frais. Ça veut dire que tu viens résider au Québec, c'est comme si tu partais résider à Manitoba ou bien, comment on appelle ça, là, au Nouveau-Brunswick, mais tu vas payer les frais aussi du Nouveau. C'est la même chose. Donc, ici, c'est le CSQ. Ça, c'est la première partie. Ensuite, tu vas payer les frais du Canada, Canada général, qui est le fédéral. Parce que quand tu viens là, la loi te permet de circuler partout. Oui, si tu es dans les un an de contrat et que demain tu trouves que non, moi je n'aime pas le Québec, je ne veux pas vivre au Québec. Merci ma chère, mon fils, comment tu vas? Bienvenue, bon matin. Tu veux pas, tu n'es pas obligé, il n'y a rien qui t'oblige à rester. Donc après les un an, si tu as fini le contrat, tu peux dire bon, moi je vais aller vivre par exemple à Toronto. Donc c'est pour ça que tu dois payer les frais du Canada. Voilà, donc c'est ça que j'appelle les frais gouvernementaux. Les frais de sélection du Québec et puis les frais du Canada fédéral. Donc, c'est ça, ce sont ces frais-là. J'en suis parlé dans cette vidéo aussi, des frais annexes. Il y a la biométrie. La biométrie, c'est quoi? Du temps où moi je venais, il n'y avait pas de biométrie. Mais maintenant, il y a la biométrie. Ça veut dire que vos empreintes digitales, voilà, pour toute la famille, même si vous êtes une famille de 10 membres, c'est même 171 dollars pour toute la famille. Ça, au moins, je m'en rappelle. Dans tous les cas, dans la vidéo sur les frais gouvernementaux, j'ai déjà donné les montants. Combien ça coûte les frais du fédéral et puis ceux de la province du Québec. Donc, j'ai aussi pris de la biométrie. Vers la fin, j'ai parlé du bilan médical. Ça aussi, tout dépend de la taille de la famille. Donc, vous ne pouvez pas me demander l'impacteuse. Le bilan médical, ça coûte combien? Je ne connais pas la taille de votre famille. Peut-être que vous êtes 3, peut-être que vous êtes 4, je ne sais pas. Dans tous les cas, au moment où on est en train de parler de bilan médical, ça veut dire que tu es prêt à venir au Canada. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est resté à Abidjan parce qu'il n'a pas eu l'argent de bilan médical. Donc, vers la fin, là, vous tous, vous allez trouver l'argent
pour faire le bilan médical. Si tu as pu payer jusqu'à tu es arrivé vers le bilan médical, c'est ça. Comme je le dis souvent, quand on vous parle d'une procédure d'immigration, il y a des signaux qui doivent vous revenir. Parce que j'ai vu que, j'ai fini par comprendre que c'est dans les... Ça dit que c'est dans votre esprit même qu'on profite pour vous arnaquer là-bas. Parce que souvent, c'est des choses qui ne sont même pas réelles, qui prennent pour vous faire miroiter. On va vous donner le logement. Il y a une voiture qui va venir vous accueillir à l'aéroport. Il y a tant, tant, tant. Mais à un moment donné aussi, il faut être wise. Oui, c'est ça. Je vous ai dit que quand c'est trop facile, quand c'est trop beau, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand je vous parle, et puis je vous parle des frais gouvernementaux, je vous parle de temps, je parle à gauche, à droite, je parle, je mets le gouvernement dedans. Et puis je vous ai dit, moi je tiens à ma citoyenneté, à ma citoyenneté canadienne. Oh que oui, 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 oui. Ça là, je ne joue pas avec ça. Je niaise pas avec ça. Voilà. Ça fait combien d'années ici dans cette maison? On n'a jamais coupé courant sur moi. On n'a jamais coupé courant sur moi. J'ai dit que j'étais malade, on m'a fait 3 scanners. Parce que mon argent que je paye pour mes taxes de ma commune là, ça va là où ça doit aller. Donc des pays comme ça là, moi je respecte ces pays là. Je respecte ces pays là parce que quand c'est bon, il faut apprécier. Voilà chez nous là-bas. On coupe courant sur vous et puis ça ne chauffe pas. C'est sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Ça va aller où? Ça va pas quelque part. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne peux pas venir hypothéquer ma citoyenneté. Ah oui, 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 oui. Je ne viens pas hypothéquer ma citoyenneté. Je vous ai dit, on met la citoyenneté de où je suis née. On met celle du Canada. Je prends celle du Canada. Ah, ça, ce n'est pas négociable par à toutes, là. Ce n'est pas négociable, là. Ça, je vous dis, hein. Donc, vos affaires de non, c'est pas envers dessus. Oui, c'est vrai, c'est votre droit. Vous avez besoin que je vous explique tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis en train de prendre près de 45 minutes pour tout vous expliquer. Vous comprenez? Ce sont ces petits détails-là, ces détails mensongers-là que des gens prennent pour venir vous arnaquer. Il n'y a pas quelqu'un qui te fait rentrer au Canada et puis il va te dire que non, il va te trouver le logement, il va payer ton logement. Oui, on peut trouver le logement. La firme célèbre Abidjan à des gens ici, à une connexion ici, où ils peuvent vous aider à trouver des logements. Ça, c'est vrai. Oui, mais quand je dis t'aider à trouver les logements, ben c'est de ta poche que l'argent sort. Là. C'est pas moi qui paye pour toi. C'est pas moi qui te trouve une maison. Ben c'est sûr que là, vous venez dans des contrats de travail, tout et tout. Donc, on va vous aider selon la ville où vous allez être. On va vous aider dans la recherche des logements parce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, quand on vient vous parler d'immigration Canada, oui, parce que l'immigration Canada est devenue une eau poissonneuse, où chacun vient pour pêcher les escrocs, des arnaqueurs, des tout ce que vous voulez. Tout le monde vient là. Donc, il faut faire attention. C'est à vous d'être, ce qu'on dit, allumé là. Parce que si vous n'êtes pas allumé, les gens vont vous arnaquer facilement. Et quand on vous explique, on vous explique. Essayez à un moment donné de dire, bon, avec ce qu'elle est en train de dire, tout et tout, il y a de la vérité dedans. Je vais venir sur le test de français. Ouais, je vais vous confirmer. Parce qu'il y a eu un petit souci. Dans tous les cas, c'est TCF ou TEF. C'est le même test de français. C'est ce qu'on demande. Le test de français, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, l'impact, vraiment, moi, affaire de Canada, là, m'intéresse beaucoup. Moi, je réponds aux critères, mais ma femme n'est pas arrivée loin à l'école. Comme ta femme n'est pas arrivée loin à l'école, voici l'option que nous, on vous offre. Aussi simple que ça. Tu fais la procédure d'immigration, son nom est dedans, tout, tout, tout. Maintenant, avec les enfants, mais il faut que les enfants soient un peu grands, hein. Parmi les enfants, il faut qu'il y ait au moins un qui a 12 ans. De telle sorte que, si tu t'en as fait une petite course, oui, contrairement à là-bas où vous êtes, ici au Canada, un enfant de 12 ans peut garder son frère en journée. Ça, c'est une information que je vous donne. Ouais, si parmi vos enfants, il y a un qui a 12 ans, tu fais l'effort de venir avec les enfants. Et dès que tu arrives, tu fais son parrainage à elle. Parce que quand tu fais le parrainage, là, elle ne passe pas de test de français. Hein? On a qu'à se dire la vérité. Si quelqu'un a un niveau CM2, ou bien si elle a un niveau 6e, ou bien quoi, si elle va sur le test, peut-être elle va se casser la gueule 3 fois. Tu comprends? Donc, pour éviter ça, c'est quand même de l'argent. Merci pour les étoiles que vous m'envoyez. C'est quand même de l'argent. Si tu sais que ta femme n'est pas arrivée loin dans les études, toi, tu fais ça avec les enfants, mais tu mets son nom dans le dossier. Dès que tu arrives là, un mois après net,
tu fais le dossier de parrainage de madame. Là, elle n'a pas à passer le test de français. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai déjà dit emploi général. Attends. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit. J'espère que... Bon, arrêtez vos affaires de maraboutage là. Ben, comment rentrer en contact avec moi? J'ai déjà mis le contact qui est là. Mon numéro est épinglé. Voilà, mon numéro est épinglé là. Donc, vous rentrez en contact avec moi. Vous me laissez, merci pour les étoiles. Vous me laissez vos messages. C'est sûr que je vous réponds en soirée. Parce que ce que j'ai remarqué, quand je vous réponds en journée, automatiquement, vous répondez. Et puis bon, je vous réponds en soirée. Justement, quand vous me laissez un message... S'il vous plaît, détaillez-moi déjà le contenu. Bonjour l'impacteuse, je suis tant. Moi, j'ai tel diplôme. Ça dit que faites-moi déjà votre background. Dites-moi déjà, là, je vous réponds en même temps. Souvent, l'impacteuse, donne-moi, bonjour, je veux les informations. Mais tu veux les informations, tu ne m'as même pas donné un indice par rapport à ça. Moi, je te dis, bon, voici, voici. Donc, quand vous me laissez un message, détaillez-moi. Dites-moi l'impacteuse, j'ai tel diplôme, j'ai tant. Est-ce que c'est possible? Avec, si vous avez déjà des enfants, si vous avez 3 enfants, c'est comme j'ai discuté avec une dernièrement, j'ai parlé avec elle, tout. Je suis en train de lui parler, pour moi, juste du package. Vers la fin, elle me dit, j'ai 5 enfants. Je dis, ben, écoute, fallait me dire ça. Si tu as 5 enfants, ça change la donne. Parce que ça veut dire qu'il y a 3 enfants qui viennent en surplus. Puisque j'ai précisé dans le début, le package, c'est monsieur, madame et 2 enfants. Donc déjà, donnez-moi les informations. Et puis, quand vous me donnez les informations, on gagne en temps. Et quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est où? Qui est à Paris, qui veut venir. 336. Ok. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez que je parle un peu de 336 à Paris? On va pas mettre tout le monde dans le même panier. Quelqu'un qui est à Paris, tu rentres en contact avec moi. 336, j'ai donné mes 3 données. Je voulais pas en parler, mais il y a en parler. J'ai donné mes données à 3 personnes dans le 336. On dit l'impacteuse est dédaigneuse. Je suis pas dédaigneuse. C'est du réel, je vous dis là. J'ai donné mes données à 3 personnes. Ils sont rentrés en brousse. À tel point que je lui ai supplié, il dit pardon. Données qui étaient données sont mes données personnelles. C'est pas que tu étais même pleuré à mes pieds. Oh l'impacteuse, je connais personne au Canada. Je n'ai pas confiance à mes parents là-bas. Ça là, il a envoyé l'argent là-bas là. Ils vont manger ça. Donc je vais passer par toi. Maman, je t'ai donné mes données au Anibi. Je ne sais pas où c'est arrivé. Donc, c'est après le 336 là, qui est là. Aux États là, il y a 4 personnes. La dernière fois, quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit 2, non. Il y a 2 autres qui sont venus, elles se sont rejoints. Donc, ma potentielle clientèle là, c'est Abidjan, États-Unis, Angleterre et puis Suisse. La vérité est bonne à dire. C'est que si j'ai une de mes impactées là-bas, sur. Elle là, elle m'a dit, elle va faire. Sinon, à part ça. Si vous m'envoyez les messages, je vais vous répondre. C'est qu'elle suit. Mais le transfert d'argent, comment vous allez transférer pour payer vos frais là? Vraiment, peut-être ça va être avec vos parents directement à Abidjan. Je ne peux plus donner une de mes données à un 336. Sinon, tout le monde est ouvert à ça. Je vous explique, c'est ça qui est là. Efface ça. Ta fille a le bac, comme j'ai dit, voilà. Emploi général, il faut que la personne travaille au pays. Parce que c'est l'emploi général qu'on demande ici. Oui, c'est vrai, on demande un baccalauréat. Comme je vous ai dit, c'est sélectif toujours. Parce que pourquoi on te demande le bac? Quand tu as venu là, tu as fait le petit travail là, mais est-ce que c'est dedans que tu as resté? Tu as fait maintenant ton équivalence. Tu comprends? Et quand tu as fait ton équivalence, je pense que ça te donne le secondaire 5 qui te permet de faire beaucoup de choses ici. Donc, c'est pour ça qu'à l'origine, on demande ça. Donc, si elle a le bac, qu'elle travaille chez quelqu'un, excusez-moi, comme j'ai dit, même si elle travaille dans un hôtel, elle travaille dans un restaurant, elle travaille quelque part partout, ou elle travaille quelque part, wherever,
pourvu que son employeur soit capable de choses, de fournir une lettre pour dire oui, elle travaille, il n'y a pas de problème. Cette lettre-là, on va mettre ça à son dossier. C'est ça. Voilà. Sinon, avant, ce qu'on demande, il faut que la personne soit déclarée à la CNPS. Mais là, comme c'est des affaires de offre d'emploi, c'est des employeurs qui sont vraiment dans le besoin. La demande est très forte sur le marché de l'emploi ici au Canada aujourd'hui. Donc, ce qui fait que c'est ça. Comme j'ai précisé dans la vidéo hier, quand je t'ai déjà donné les informations, actuellement, j'explique tout, hein, sauf le volet financier dont je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Le volet financier, je vous explique ça dans le inbox. Donc, les premiers, vous qui étiez déjà avec moi, on a parlé dans les 15 contrats qui sont déjà fermés. Là où, en ce moment-là, je suis en train de parler des 11 contrats. Je vous ai déjà donné les informations. C'est quasiment la même chose. La preuve, ce sont les mêmes vidéos que j'avais faites il y a quelques temps qui sont là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes personnes. Partagez. Partagez. Au moins, quand il y a des informations, ce sont des informations vraies. Des gens ne vont pas se faire arnaquer. Vous comprenez? C'est l'arnaque là qui fait pitié. Donc, ce sont ces mêmes informations-là que j'ai données la première fois dans les premières vidéos, tout et tout. Ce sont ces informations-là que je donne ici. Toi, tu m'as dit, je peux savoir le montant. Le montant, c'est dans le inbox. Mon numéro est là. Ah, est-ce que j'avais mis le numéro? Oh, ok. Merci pour les étoiles. Attendez, je vais voir si j'ai pas... Oh, j'ai oublié de mettre le numéro. Ouais, voici mon numéro. 54 570 83 97. Mon numéro est là. Pour tous ceux qui ont besoin de vivre ici, vous me contactez. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ce sont les mêmes informations que j'ai déjà tout expliqué, tout et tout jusqu'à date là. Il y a dans ma vidéo sur le comment on appelle ça, de M. Alain Foucault que j'ai mis sur ma page, il y a un célèbre avocat malien ici à Montréal qui a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit, dans des procédures d'immigration, dans tout, les Africains, c'est-à-dire nous les Africains ici, dans nos procédures d'immigration, on donne tellement de détails, on connaît tellement les rouages. Oui, c'est celui qui parlait. Et j'ai trouvé que quand il parlait, ça me rappelait M. Magadji. Il a dit... On explique tellement. Il y a des choses que des gens d'ici ne peuvent pas leur expliquer, que nous, on prend le temps de leur expliquer. Mais quand il s'agit de faire les procédures, étrangement, les Africains s'en vont ailleurs. Ils s'en vont chez les gens d'ici. Parfois, qui connaissent même pas bien les rouages, oui. Parce que tu peux étudier quelque chose, mais les rouages qui viennent avec. Vous comprenez? Ils s'en vont là-bas. Maintenant, quand les dossiers capotent là-bas, quand on veut les rapats là, c'est là où on vient pour enlever la honte sur eux. Ce monsieur-là a dit ça dans ce documentaire qui est sur ma page. J'ai trouvé que c'est vrai. Parce que très souvent, ce que j'ai remarqué, quand on veut rapatrier des gens ici, quand tu vas voir derrière, leur avocat, c'est des lois qu'ils prennent. Pourquoi vous faites ça? Ça dit qu'il y a des compétents avocats en immigration ici au Canada qui sont des Africains. Qui sont des Africains. Qui savent. Ça dit, M. Maradou le dit souvent. Comment je vais traiter le dossier d'un jeune Français qui veut rentrer au Canada? Ce n'est pas de cette même façon que j'ai traité le dossier d'un Africain. Ben, il y a toujours un petit quelque chose qui va toujours bloquer chez nous là-bas. Mais c'est Magui qui dit ça et c'est la vérité. Il dit le petit Français, il te dit que non, je veux rentrer, tant. Tu fais son dossier, tu lui demandes les documents, tac, tout rentre. Mais chez nous, très souvent, on est obligé même de courir après les documents là-bas. Oh, il faut payer pour avoir mon papier qui est là-bas. Il faut faire ça. Ça y est, là-bas, tout est compliqué. Vous comprenez? Ah oui, c'est la vérité, je dis. C'est ça. Alors que les gens, ils sont très compétents. Mais très souvent, quand on les voit, on veut les rapatrier. Comme a dit le monsieur, on est obligé d'abord de faire notre travail pour ne pas qu'ils soient rapatriés. Ensuite, on est obligé de nous surpasser, passer un père de famille qu'on rapatrie comme ça. Pour éviter la honte là-bas aussi, tout ça là. C'est la vérité qui est là. Donc, nous, on n'est pas ici pour vous embarquer. Ou on prend le temps de t'expliquer. Ou on prend le temps de tout te dire. Ouais. Ça, c'est mon...
Merci, merci pour ceux qui m'envoient toujours des étoiles. Oui, maman, mon numéro est là-haut. Mon numéro est là. À la fin du direct, mais... Eh là, j'ai mis le numéro là. Pardonnez, mettez le numéro pour ceux qui... Vous vivez en Italie, mon numéro est sur ma page. Sur ma page, mon numéro est là. Sur toutes mes pages, Facebook, YouTube, tout et tout, mon numéro est là. Voilà, rejoignez-moi. Je vais tout vous expliquer comment ça marche. Voilà. Tous les pays, mais c'est sûr que ayez des connexions pour pouvoir faire des transactions. C'est ce problème qu'on a. Donc, en quelque sorte, je pense que j'avais fait le tour. Tout et tout. Ça prend, pour récapituler, c'est des offres d'emploi, on en a 11. Ça prend le bac. 46 ans et moins. Et puis un travail. Comme j'ai précisé, le travail n'a pas besoin d'être déclaré à la CNPS. Ça peut être un travail ordinaire pourvu que l'employeur soit capable de fournir une, comment on dit ça, une lettre pour prouver que tu travailles avec lui. Donc, c'est un paquet qui est conçu pour monsieur, madame et deux enfants. Donc, même si tu es seul, c'est le même montant que tu vas payer. Voilà, célibataire, un enfant, c'est le même montant. Voilà. Faites attention, comme je vous ai dit, quand c'est trop beau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous. Voilà. Demandez-vous, mais pourquoi c'est si compliqué? Oui, on le dit, pour immigrer au Canada, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué. Mais c'est dans compliqué là. Il y a des milliers d'immigrants qui arrivent chaque jour. C'est ça. Il faut que ce soit compliqué pour que... Quand tu arrives là, c'est passé, c'est compliqué même là. Que quand tu arrives là, tu connais. Ça dit, on ne t'a même pas encore dit que tu respectes la loi. On ne t'a pas encore dit. Vous comprenez? Il y a un immigrant qui est arrivé. Lui, il ne savait pas. Hein? Dans Woyowo, il est arrivé un été, on l'a pris. Ils sont partis faire un barbecue. Dans le barbecue, là, il a envie de faire pipi. Mais demande à ceux à lesquels tu es venu. Il est parti se mettre derrière un coin là-bas pour faire pipi. Mais quand on l'a pogné là, l'histoire là, je ne suis pas en train de raconter des farces là. L'histoire à Saint-Laurent, on en rit. Aïe, quand les gens l'ont vu qu'il est en train de faire pipi dans un coin pas loin des enfants, ils ont appelé la police. Le temps, il va se retourner. Par exemple, dans tous les parcs ici, là, il y a la police qui rôde là-bas. Il va tourner ici. Oh. On voit, voici la police qui est là. Oui, monsieur, vous êtes allé faire pipi. A faire des pipi est devenu non. Les enfants étaient autour. Exhibitionnisme de quoi, de rentrer ici, de sortir ici. Vous savez comment il s'est retrouvé? On dit, bon, comme tu viens d'arriver, il n'y a pas de problème, tu ne savais pas. $1000 d'amende, ce qu'il a pris. Il a pris ça. Parce qu'il a fait pipi aux alentours du parc où il y avait des enfants. Vous comprenez? À une place où il n'était pas supposé faire le pipi. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, ce qui a fait que tous ceux qui viennent aujourd'hui connaissent cette histoire-là. Ah oui, oui, oui. C'est ça le Canada. C'est là où la loi, là, elle ne tolère pas. Mais c'est le pays qui va t'éduquer. C'est le pays là où tu arrives là. On n'avait pas besoin de te parler. Toi, mais quand tu arrives là, tu regardes comment les autres vivent déjà. Tu sais que tu dois vivre comme ça. C'est ça qui est là. Il n'y a pas de désordre ici. Il n'y a pas de désordre. Au début, tu arrives, tu ne te retrouves pas. Il fait froid. C'est le froid là qui va te dire qu'est-ce que tu viens chez dans ce pays de merde là. Tellement il fait froid. Mais je vous ai dit, il fait froid. Il faut s'habiller chaudement. Moi, ça me fait 12 ans que je suis au Canada. Je n'ai jamais pris de pneumonie. La seule chose que je prends souvent, c'est la grippe. Vous comprenez? Parce qu'il faut s'habiller chaudement. Mais si tu veux faire Django, là, c'est là que ça te rattrape. Après ça, tu vis tranquille. On vit là, c'est pourquoi? Dans la vie, on vit là. C'est pas pour s'acheter une maison. C'est pas pour mieux vivre. Pour que ses enfants soient épanouis. J'ai dit, allez écouter le documentaire de M. Alain Foucault sur ma page. Hein? Les pètes, pètes à gauche, à droite. Allez écouter. Les Français, les Africains qui étaient en France avec des diplômes. Qui ont fini là-bas, qui sont venus. Ils ont dit, c'est au Canada que j'ai retrouvé mes marques. C'est au Canada que j'ai retrouvé mes repères. Un ingénieur, il a dit, je suis venu au Canada pour le bien-être de mes enfants. Parce que c'est vrai, j'ai fait mes études en France, c'est vrai, je vivais bien, mais pas autant que le Canada. Il a dit, je suis venu là, il y a une maison d'ingénieur. Mon beau-père ingénieur en France. Quand il est venu ici, il a d'accordisé, il a dit, putain. Quand il est rentré ici, il a dit, putain, ça ne ment pas, c'est du réel. En
ce moment, on n'était même pas encore ici, s'il vous plaît. On était encore, le roi était encore étudiant. Il faisait encore ses études de soins. Il n'avait même pas encore fini. On l'a reçu. Il dit, ça, c'est la maison d'étudiants qui est là. Je dis, c'est ça le Canada. C'est pas du Niamsele. On est dans du sérieux ici. Vous comprenez? Moi, je vous invite à venir au Canada pour l'avenir meilleur de vos enfants. Je vous invite ici à venir. Parce que d'abord, il y a la sécurité. Moi, j'habite mon quartier là. J'ai jamais vu de voiture de policier. Ça fait 3 ans que je suis, comme on appelle ça, je suis dans ce quartier que j'habite. Un quartier résidentiel, s'il vous plaît. Où les dimanches déjà, on sait que le voisin est là. La voisine n'est pas là parce qu'elle est partie travailler. On connaît la routine du voisinage. C'est de ça qu'il s'agit. On sait, quand il y a un intrus déjà qui rentre, on sait que c'est un étranger qui est de passage. C'est de ces vies structurées là dont moi je vous parle. Je ne suis pas là pour vous parler de ça dit que le vous vendre le rêve. Je suis là pour vous parler des choses vraies. Vous comprenez? Je suis là pour vous parler où on vit dans un environnement convivial. Où ça dit que le voisinage se côtoie. Où l'été là, le barbecue du voisin, ça dit que tu prends l'odeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis tu dis, allô? Ça va bien, attends, toi tu es dans ta piscine. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi, on va me dire quoi? On me dit quoi? On n'est plus là à comparer ce qui n'est plus comparable. J'ai dit que le Canada, c'est le premier pays au monde en ce moment. Et puis ça chauffe pas, à tes mains. C'est ça qui est là. Donc je parle du Canada. Le Canada de demain, le Canada de Wendy, le Canada des enfants de Wendy, le Canada des enfants de mes soeurs, c'est de ce Canada dont je suis en train de vous parler. Le Canada avec le brassage culturel. Où on te respecte dans toute ta dimension, dans toute ton entité. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Le Canada où l'école, oui, c'est vrai. Quand on dit aujourd'hui, on compte les universités, les grandes universités, où vraiment les enfants sont bien enseignés, ben le Canada vient aussi dedans. Hein. Le Canada n'est pas en arrière. Oui, il y a le français québécois qu'on parle, là, vous comprenez, mais prenez pas ce français-là pour penser que c'est de ça qu'il s'agit à l'école. La preuve, quand on doit rentrer à l'université, on passe des tests de français. Les tests de la langue française, là, c'est ce qu'on parle. On passe dans les écoles. Donc, il y a le français qu'on parle, le français québécois. Vous voyez, j'ai vu quelqu'un, c'est quel bon français, il parle. Oui, il y a le français québécois qu'on parle, mais il y a le français à l'école, s'il vous plaît. Donc, c'est de ce Canada-là, moi, je vous parle. Je vous parle du Canada de demain, de vos enfants, où on ne va pas couper courant sur vous là-bas. C'est de ce Canada, je vous parle. Vous avez compris? Moi, je suis bien ici, donc j'encourage. Maintenant, moi, je ne suis pas le genre de personne. Je suis bien. Puis, elle dit aux autres, non, restez là-bas. À tout moment. C'est pour ça que j'ai dit, Nabel, là, Wani, toi-même, tu es où? Et puis, tu me parles. Bon, je pense que vous avez quand même, vous avez bien réagi, mes impactés. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Je vous parle de la tranquillité de vie. Il y a des secteurs qui sont chauds au Canada. Il y a Toronto, par exemple, où il y a des gangs de rue. Il y a Montréal aussi, des quartiers, mais c'est toi qui choisis là où tu veux vivre avec tes enfants. C'est pour ça qu'on vous encourage de quitter les grandes villes pour venir dans les banlieues pour élever les enfants. Ah oui, 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 oui. Sortez des grandes villes là. Moi, quand Wendy a commencé à avoir 9 ans, 10 ans là, j'ai dit non, on va aller un peu plus loin là. Bon, quand je dis plus loin, moi j'habite à 35 minutes de Montréal. J'élève ma fille tranquille, sans souci. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas de problème ici. Tu achètes ta maison là où tu veux. Moi, dans mon secteur ici, là, nous sommes un peu plus bas là, il y a une Africaine. Sinon, dans mon secteur ici, là, c'est les Blancs, c'est les Chinois, on s'entoure ici. Mais on vit en convivialité ici. C'est de ce Canada-là, moi, je suis en train de vous parler. Vous comprenez? Donc, si des gens veulent attiser la haine, ben, je suis désolée. La réalité est là. On vit mieux que vous, là où vous êtes là-bas. On ne lutte pas chez l'aime. On ne lutte pas quoi? Qu'est-ce que quoi? Allocation. On ne lutte pas ça ici. Les dignes pères de famille, c'est eux qui vont chercher et viennent nous donner. Vous comprenez? Au Canada, c'est les hommes qui travaillent plus. Bon, souvent comme nous les femmes, on aime faire les extras, surtout nos soeurs qui sont dans la santé. Bon, la santé, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Bon, elles-mêmes, elles aiment faire leurs extras pour leurs besoins personnels. Sinon, ici, là, c'est les hommes qui envoient ici le plus gros. On gagne même salaire. Moi, où je suis là, peut-être qu'il gagne même plus que mon mari, mais c'est lui qui fait le plus gros. Lui, ça ne le dérange pas. C'est de ces dignes hommes-là qu'on parle au Canada. C'est ces hommes-là, moi, ils valorisent ici.
Hein? Des hommes qui font vidéo de quoi? Des allocations de HLM. Oh my God. J'hallucine, là. Je suis en train d'halluciner. J'ai dit, quand j'ai vu cette vidéo de la honte, là, j'ai dit, Monique, tu vas passer ta route, là. Tu vas passer ta route. Tu ne rentres même pas dans ce genre de choses-là. C'est de ce Canada-là dont je vous parle. Vous comprenez? Oui, c'est vrai, il y a des femmes, peut-être, quand elles arrivent, bon, tu ne peux pas empêcher des femmes qui avaient peut-être leur rêve d'enfant. Parce qu'il y a une qui m'a dit, mais l'impacteuse, tu parles beaucoup du Canada, mais tu ne parles pas de comment les Québécois sont difficiles quand on vient les marier. J'ai dit, tu dis quoi? Quand les Québécois sont difficiles quand on vient... Toutes celles qui sont là-bas rêvent de venir marier les Québécois blancs. Mais venez les marier, chacune va faire son expérience. Ah oui, 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 le Québécois, ce n'est pas le français. Hein? Ils ont leur vision des choses. Voilà. Il y a d'autres qui sont bons, c'est comme ça dans la vie. Il y a des bons dedans, mais il y a aussi là, il y a des Québécois tabarnak. Quand tu l'as marié là, tu te dis, wow, là, dans quoi je suis venu me mettre? C'est moi qui vous empêcher de venir marier vos blancs. Videz l'Afrique, venez marier vos blancs. Chacune va faire son expérience. Maintenant, quand tu as goûté là, quand tu as allé cogner ta tête dedans, là, et puis tu as revenu à ta réalité, qu'il faut nous parler des Québécois. Je ne parle pas des Québécois. Les Québécois sont bons. Vous comprenez? Donc, respectez le Canada. Respectez le Canada. Respectez. Il y a dit que les pays actuellement qu'ils respectent là, c'est ceux qu'ils ont cités sur la liste. Il y a les États, il y a l'Australie, il y a l'Angleterre, il y a quoi? Il y a la Suisse, il y a la Hollande, il y a la Suède. C'est là que je respecte. Je les respecte de par le comportement même des immigrants là-bas. Voilà pourquoi je respecte ces pays-là. C'est ça. De par comment les immigrants se comportent dans ces pays. C'est ça. Ils respectent les lois. Oui, la dernière fois quand je parlais, je m'étais trompée et puis j'ai dit chose. En fait, c'était Genève. Oui, je m'en allais en Italie, je suis passée à Genève, là où j'avais vu les maisons blanches. Mais je parle avec certains Africains là-bas. Je suis allée en Angleterre. Tu vois que la mentalité est différente de là, de l'autre côté. Hein? Elle est différente. Ah oui, oui, oui. Vous vivez comme des paysans là-bas, des villageois. Hein? Quand on dit que les immigrants, parfois les immigrants font honte, c'est chez vous là-bas. C'est là-bas les immigrants font honte en France. Ah, je le dis, hein, je le dis. Sans langue de bois là, sans état d'âme. C'est là-bas. Sinon, les autres côtés là, les immigrants font des efforts. Ils font des efforts. Mais là-bas, là, c'est la bouillabaisse, c'est n'importe quoi. On ne respecte pas les lois. On se met à insulter dans des métros. Ben, je suis désolée. Moi, il y a des vidéos que je vois là. J'ai dit, ben, même les adolescents ici au Canada, ils ne font pas ça. Mais vous le faites. Vous faites qu'encore, en 2021, on regarde le noir autrement. Mais c'est vous qui êtes là-bas qu'on regarde comme ça. Nous, on ne nous regarde pas comme ça. Parce que moi, je suis là pour faire du travail. Sur place ici. Je fais le travail. Quand je m'en vais dans des shops, tout et tout, les Africains me disent, l'impacteuse, c'est dur parfois tes propos, mais c'est bon. Ça nous aide. L'impacteuse, c'est à cause de toi. Moi, je suis que dans mon quartier, il y a un jour d'arrosage. Sinon, il ne savait pas. Il dit, ah oui? Il dit, oui, il ne savait pas. C'est quand j'ai écouté ta vidéo, parce que j'ai déménagé, ça fait un mois et demi. J'ai dit, mais la municipalité t'a envoyé un papier, il faut regarder. Tu vas savoir ton jour d'arrosage. On n'arrose pas n'importe comment. C'est ça. Ce sont ces éducations-là. Moi, je suis là pour mettre en avant. Vous comprenez? Donc, tu aimes ma personne, tu n'aimes pas ma personne. Je vis dans le pays où coule le lait et le miel. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour les contrats de travail, partagez la vidéo. Rentrez en contact avec moi. Rentrez en contact avec moi. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas tout d'un coup qu'on paye. C'est par étapes, justement. Il y a deux personnes qui m'ont rejoint. L'impacteuse, est-ce que je veux payer tout d'un coup? J'ai dit non. C'est pour ça qu'on vous arnaque. Tu ne peux pas payer une procédure d'immigration tout d'un coup. Tu payes une première partie. Mais quand tu entends les payer la deuxième partie, c'est parce qu'on a avancé. Mais on n'a pas avancé. Et puis tu as tout payé. Mais si tu payes tout d'un coup, et puis maintenant le dossier n'a pas marché, on te dit non pour X raisons, tant. Mais ça ne se fait pas. On ne paye jamais tout d'un coup. Ah oui, oui, oui. Affaire de Canada. Affaire de Canada. J'ai dit que j'ai les arguments. Je suis le prototype de la réussite au Canada. C'est clair? Est-ce qu'on me voit, on sait qu'il y a faim? Il n'y a pas faim. Il n'y a pas faim. Ma mère n'a pas faim. Il lutte encore pour faire rentrer mes frères. Donc, il lutte. Il n'a pas faim. C'est ça qui chauffe. Ah,
Quand tu viens en Occident, là, tu luttes pour tirer les autres. Mmh. C'est ça. C'est ça mon combat. Quand elle dort et puis elle me réveille, là, comment elle fait pour tirer là-bas, pour faire entrer? C'est ça qui est mon chose. Sinon, même ce qu'elle veut manger aujourd'hui, je m'offre ça. J'ai dit que je suis sur la route de deuxième maison. C'est ça qui est mon souci. Donc, le reste là. Donc, on ne paye pas une procédure d'immigration tout au complet. Vous comprenez? Non. On paye un peu. Quand on arrive encore à une étape, tu vas payer parce que je suis... Oui, c'est ça, hein? Quand vous êtes dans des procédures, là, tu as payé une première étape, mais il te dit de payer, tu dis, mais où on est rendu, et puis je vais payer. C'est ça. Posez-vous des questions. Ne rentrez pas comme ça dedans pour tout payer. Tu rentres dans un bureau d'immigration, on te dit de tout payer, c'est de la marque. Donc, faites attention. Merci pour les étoiles. Ainsi va la vie. C'est le Canada qui est là. Voilà. Le pays où les immigrants sont heureux. Merci beaucoup. Je vous aime. Si vous prenez soin de vous. Merci pour les étoiles. Au revoir.